Ah, monsieur, ici on a maté les bandes. Gardez le pays. D'ailleurs, il y a une raison qui fait que, ou même qui s'est fidèle auditeur, ou était accroché à l'émission Matin Débat, c'est parce que justement, qualité analyse que nous produisons permet nous toujours anticiper sur ça qui a passé dans le pays, et également sur ça qui prend passé pratiquement dans le pays. Et dossier Dominicanissa, eh bien, en mille fois, nous avons que le dossier ça retourner sur le Matin Débat. Mais bon, petit rappel pour nous rapidement. Le 27 février 2018, dans l'occasion anniversaire indépendance, commémoration, donc indépendance République Dominicaine. Le président Danilo Medina, dans le discours que le Tekemboulte délivré, donc devant la nation dominicaine, non, lui te font rappel historique. Côté que lui rappelait Dominicain, que la République Dominicaine a été humiliée pendant 22 ans par les Haïtiens. Est-ce que nous songez de débattre de ça dans l'émission Matin Débat? Nous devons même faire commentaire sur lui. Parce que ce rappel historique par le président Danilo Medina, écoutez, n'est pas un hasard. C'est pas par hasard qu'il fait rappel ça. Et ce rappel historique, madame, monsieur, n'est pas traité sans effet. Vous comprenez bien, hein? Ça va me dire nous matin, hein, dans l'émission Matin Débat, si ça y est, si on y est, est-ce que je dis, hein, pays a qu'à compter sur, ou même qui c'est petit pays? Parce que si Haïti était qu'à compter sous petit lio, je dis à la, il y a des situations que nous avons je dis à la, eh bien nous ne pouvons pas la donner. Il y a des problèmes que nous vivons, je dis à la, dans le pays, nous ne pouvons pas vivre problème ça, yo là. Et madame, monsieur, écoutez, nous t'ai toujours dit dans le Matin Débat, la République Dominicaine, il y a une plus grosse ambition qui a nourri, surtout pour cette année 2018, dans le temps ça, yo là, c'est occuper, donc, le territoire haïtien, militairement. C'est occuper Haïti. Il occupe déjà économiquement. Et parce que 20 nous n'en mais yo. Mais physiquement, militairement, il y a une plus grande ambition que vous avez là, vous dites là, c'est occuper la République d'Haïti. Bien compté, madame. Eh bien, madame, monsieur, vous me dites que ça passe bien là-dedans là. Puis quand vous prenez un temps pour son petit bagage, simple non. Il passe simple tout ça passe bien là-dedans là. Sacrifier bien là-dedans là, madame, monsieur. Il arrive tout de suite après que le président Danilo Medina finit changer bord de l'armée dominicaine, oui. C'est après un paquet de changements qui fait dans la tête l'armée dominicaine que ouais, ça qui passe à arriver donc sous frontière là, oui. Et puis le bail pour nous comprendre d'où ça qui passe bien là derrière là tout de suite après tank hélicoptère équipe unité d'élite débarquée sous frontière une attaque haïtien. Donc, ça veut dire que son bail qui est planifié parce que j'ai une riposte. C'est pas mon bail, c'est mon bail comme ça. OK, et je dis un monde qui est dans l'armée. En fait, même j'ai parlé à plusieurs militaires hier soir, parlé à des anciens généraux de l'armée haïtienne. Eh bien, il y a clair sous question. Hein? Dans l'armée, il y aurait les sangs, il y a un casus belli. Ok, son casus belli, son déclaration de guerre. Ouais. Et c'est ça lié, je dis, à là. Donc, Dominicani, je dis, hein? Attaquer Haïti. Dominicani, Haïti, hein? Déclarer la guerre, donc, à Haïti. Et ça lié par l'autre bagaille. Donc, ambassadeur okay. Dominicain, hein, et il a été rappelé, ok, par le ministre des Affaires étrangères, Antonio. Ok. Ouais. Donc, Dominicani déclaré la guerre à Haïti. Il parle l'autre bagage, c'est allié. Et quel que soit pays sous la terre, l'autre pays, ça dérivé, eh bien, je dis à l'ambassade Banouanti, eh bien, c'est de carré, coup de marié. Donc, que ça gagne, ça perdu, perdu. Eh bien, c'est dans la situation ça nous est là, je dis à madame, monsieur. Donc, Dominicani n'est pas d'accord avec nous. Nous va arriver là. Et bien, écoutez, madame, monsieur, je dis à fuck nous poser tête nous des questions. Si nous pas qu'à crier, nous pas qu'à aucun grimace pour nous faire. Si nous entendons nous sous la mer, côté la mer. On est sous lui. Et là, j'en ai bloqué pour la mer. Ok? Si nous pas qu'à crier, on ne pas faire grimace, on ne pas faire macaque. Nous d'accord sur une question la mer. Eh bien, je dis à côté la mer ça, même s'il était 300 nègres. Si y'a démagogie, n'a fait. Démagogie. Mais je dis à tout, madame, monsieur. Ça va passer là, avec la République Dominicaine. Libre question de Jovenel Moïse, Lavalas, Tête Calée, Duvaleris, sont question d'haïtiens. Parce que si Dominicani va là, c'est tout le monde qui a pris un coup de zam. Et si Dominicani vient occuper, c'est tout le monde qui a pris un coup de botte. Ok? Non, mais ben, il y a. Là, c'est pas question de parti politique, c'est pas question de président qui l'a, c'est pas question de sénateur, député qui l'a. Maintenant, ça va me dire matin, hein? Est-ce que Haïti, ça, ce territoire sacré, là, d'ailleurs, il n'y a pas 27 000 km² encore,
faut que nous avons revisé. Parce que Dominicain, chaque matin, chaque semaine, chaque année, ils ont avancé bon, ils ont sous parti haïtien. Est-ce que nous 27 km carrés encore? Est-ce que nous avons dit ça? Je dis, faut nous faire une réévaluation. Faut nous faire un rafraîchissement de l'isière. Pour nous connaître, est-ce que nous 27 000 km carrés encore? Faut nous garder qui quantité de terre Dominicain prend sur nous. Mais qui est-ce qui a une capacité pour faire ça? Madame, monsieur, ce qui est arrivé là, c'est pour pas consacrer là. Ok? Et ce gars de regarder les vidéos, c'est frustrant, c'est humiliant. Regardez Dominicain, madame, monsieur, donc, qui a pu tirer sur Haïtien. L'armée dominicaine qui a tiré sur Haïtien, sur territoire haïtien, et pas de riposte. Pas de riposte. Là, il dit que je dis à l'éclair, nous agissons. Je dis à nous clair sur question. Hein? Dominicain, il prouve nous encore que nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Nous clair sur ça. Et Dominicain, écoutez, et chaque fête là pendant le week-end, non, il va profiter justement pour continuer. Donc, fouler sur le pays d'Haïti. Jean Ouvlé. Les Dominicains n'ont pas débarqué là avec la meilleure. Ils ont envahi nous, sacrité là. Bon, sacrité. Qui ça qui empêche? Qui ça qui empêche, je dis, la meilleure Dominicaine? Débarquer donc en Haïti là, ils ont fusé tout le monde, ils ont occupé l'administration. Qui ça qui empêche? Dis-moi qui ça qui empêche. Les gens qui sont policiers là, non déplaise à mes amis qui sont donc des policiers, ils ne sont pas là-dedans, ils ne sont pas là-dedans. D'ailleurs, ils ne sont pas là-dedans ou personne. Ok? N'importe quoi, il fait là, n'importe va, il fait sur là, il a des examens à terre, aller. Parce que plus fort là-dedans pendant la police, parce que justement, il y a un sentiment du patriotisme. Plus fort là-dedans dans la police là, c'est parce que c'est patriote vrai. Plus fort policier qu'il a dans la police, dans la police là, parce que il y a une misère. Il y a besoin de côté de travail, il y a besoin de vivre. N'importe quoi qui fait là dans le pays. N'importe quelle attaque qui fait là. Non, pas même parler de la police, parce que la police va en bas de la guerre. Mais c'est ça nous a comme force. Les Aïssés, c'est ça nous a comme force là dans le moment. Mais nous avons la mer. Nous avons la mer. Sous papier. Nous avons la mer. Nous avons la mer. Vous avez l'argent pour la mer. Qui ça allait vous faire l'argent? Et l'argent, et l'argent avec le budget. Pour la mère. Ou à Onza? Il a augmenté lui. Bon, non, mais. Il a déplacé Benadé. Comment il est? Il a la mère, même quand il n'a pas rappelé là, non? Ouais, il a qui n'a un soldat qui l'a. Ouais, ouais, il a qui l'a. Il a qui fait équateur, oui. Pas fait ça, non? Ah? Il a qui fait équateur, oui. Il a qui fait équateur, il faut 3 mois le tourner là. Il a qui en misère. Comment ça? Même quand il n'a pas rappelé avec un bois à Zamda, mais il a qui fait chocolat, Isaïe. Ah, ça, Isaïe, ça, il a qui fait là, c'est ça. Ça, il a qui fait ça, hein? Ah bon? On va faire un soldat, nous, là, Oh, Esaïe! Qu'est-ce que tu as couru? Ou fais-moi saisir, oui. Qui ça, Esaïe? Même pas si tu bien entraîné, bah, ça. Tu dis bon ça, mon cher. Soldat, ouais, là, ouais, figuine, yo. J'aime te demander de Guy Philippe à parler. Je dis, ton équipe, ton tactique, bah, ça va, ils ont. Oui. Qu'est-ce que les tactiques, là? Nèg, qui fait équateur, yo? Oui, toi, moi, pendant l'équateur. Mais depuis que tu tournes là, papa, n'est-ce pas manger? Il y a un problème, Kaye. Le goût, Abdi, là, oui. Moi, tu m'as fait? Il n'y a pas manger. Il y a un problème, Kaye. Il n'y a pas le cas, docteur. Gennek la ki sol la, même dans la bouche n'est pas bon. Oh! Oh! Si des gros problèmes dedans, on va garder la main. Gros problème, oh! Affaire dedans, problème dedans, c'est un gros gros série. Gon bel budget pour ministère des forces. Si nous avons la main, nous la main, mes amis. C'est pas ça, nous là. Si nous n'avons pas nous sous ça, nous entendons sous ça. Mais nous pouvons jamais entendre nous. Nous pouvons jamais entendre nous, qui ça, qui la main vle. Eh bien, voyez là, eh! Eh, la problème là, nous en crise! Donc la Dominicaine, la Dominicani, attaquez-nous. Profitez! Yo, attaquez-nous là, oui. Eh bien, oui, attaquez-nous. Et puis, pas un monde qui reposte, et puis tout le monde sans problème. Les et puis, le pays fonctionne. Oui, parce que. Regardez, imaginez, madame, monsieur, matin là, même quand je regarde devant moi là. Le ministre des Affaires étrangères. Antonio Rodríguez. Miguel Vargas. Ah. Maldonado. Ok. Ok. Il convoque toute autorité diplomatique haïtienne en urgence dans la réunion pour une explication à la chancellerie dominicaine. Sous ça qui passe bien là-dedans. Eh bien, Antonio Rodríguez, convoqué ambassadeur dominicain, oui. Et bien après. Oui. Et puis, il n'a pas rappelé les gens là comme chancelier et comme chargé d'affaires. Est-ce qu'on connaît que Haïti n'a pas d'ambassadeur dominicain? Oui, il n'a pas d'ambassadeur. Elle dit que ça. Elle dit que Haïti n'a pas d'ambassadeur face à face, ou pas vis-à-vis. Clairement, vis-à-vis. Oui. Elle dit, j'ai dit là, chef là. J'ai dit là, Haïti n'a pas qu'à parler avec Danilo Medina. Il n'a pas qu'à parler avec le ministre des Affaires étrangères dominicain. Ouais. Parce que Haïti n'a pas d'ambassadeur dominicain.
Et de ça, on a parlé là. C'est dans le pays, on croit Haïti pas une représentation diplomatique. Qui ça côté oui. Bon, qui ça n'a fait là même? Qui ça n'a pas nous là? Haïti pas dirigé. Qui ça crée là? Bon, qui ça crée là pour Dominicani? T'as débarqué là, y'a pas un zam yo, marié zam sur tout Haïtien. Non, on connaît tout le monde. On connaît l'ONU là. Justement, l'ONU, papier à sa main. Tout ça que t'es écrit sur papier, ça m'a crée nous. Ok? C'est ça crée sous papier, c'est ça qui est écrit sur papier. Loyaux, convention. Donc, il y a le bail, tout ça qui est connu, nous envahis. Qui m'en envahis là? Ah, il a un peu de temps. Nous envahis, oui. Nous quoi? Nous envahis la Dominicani, oui. Ou en ça? Envahis dans quel sens? Envahis. Ah, ils sont tous côtés. Tout, eh bien, oui, nous envahis net. Nous la caillons. Nous la fait manger pour yo. Nous avons un coup de poudre. Ah, oui, tout le monde. Oh, ah, 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 what comes that? Ah, bon, ministre, toi encore, monsieur. Ça fait? Bon, ministre, toi encore. Qui bon? Petit poudre là existé et tout. Petit poudre là existé. Ah, oui? Ah. Nous avons tout fou, nous avons un coup de poudre. Qui bon ça? Ah, what comes that? Monsieur, on est rationnel, t'en dis pas. Qui est rationnel là? On est taqué. Quand est-ce que tu peux d'avoir un loyer là, oui? Qui bon? Si vous ne pas existé, qualité n'est qu'à voler ici. Pour ça, c'est pas pour tout. A qui n'est-ce que c'est grignot? Comme ça, vous avez dit là. Oh, pour qui ça? Ok? Qualité n'est qu'à voler ici. Dans la semaine, ça, week-end, moi, on contrôle les qui font tous les réseaux sociaux. Ah, bah, je suis sur question de Pétro-Caribé. Bah, Pétro-Caribé? Ok? Sur le Pétro-Caribé. Pourquoi des on gagne ici? Pourquoi des poudres? Pourquoi ça ne va pas poudre avec ça qui vole l'argent pays? C'est important. On va parler de poudre. Pour les Dominicains. Ça va exister qu'on a payé, mon frère. Puis d'ailleurs, pour gagner pour acheter poudre ici, pour acheter poudre ici, il va y avoir un bon cop dans mon. Oui, il faut l'argent. Ok? Ouais, tu vas en amour. Parce que même nous, les gens qui mourent là, ils ne produisent pas quantité de l'huile là encore, non? Ou qu'on peut la bouffer, c'est que les gens mettent des pendules tête en bas. Et ça, ils connaissent. Et ça, ils connaissent. Et ça, ils connaissent. Soit l'abdoula là, ils connaissent. Moi, je vais faire la majorité pour la tibonie, tu fais. Allez, qui te prend la machine? Oui. Pour faire poudre là, c'est les gens qui mourent là, après, ils prennent des têtes en bas. Parlez, Loukou. Ok, mais petit bébé, prends tes têtes en bas. Ça, c'est dégoûté. Ça, c'est gros malfaiteur qui a parlé là. Ah oui, malfaiteur. C'est malfaiteur. Il y a des gens qui sont dégoûtés. La dégoûté et puis de l'eau qui sort dans le corps oui. C'est les mêmes qui ont mélangé avec un crapaud qui ont pris dans la mer. Ils ont mis l'autre bagarre là-dedans et puis gau! Bat au chocolat. Regardez, monsieur, mon cher. IMTO. Qui constate au fait? Regardez, mon qui n'a pas de graisse là. Ok. Mon hôtel m'a cherché, mon oui. Nous n'avons pas de l'huile. Le poudre là, il y a une pichette qu'on y a. Donc, après, pour nous parler de l'IA, c'est ça. Ok. On nous était dans la rationalité question. Ok. Ok. Parce que je dis à là, mon frère, Dominicani, pas jouer avec Haïti. Non, depuis quelque temps. Ok? Dominicani pas joué avec Haïti. Et changement qu'il a fait, il y a dans la tête l'armée Dominicani. Ouais. Et pas pour sans raison. Et il a fait en fonction d'Haïti. Et tout de suite après le changement, regardez ce qui passe sous frontière là, madame, monsieur. Et ça qui passe sous frontière là, madame, monsieur. Écoutez, madame, monsieur. Hey. Une autre question pour nous, oui. Est-ce que le pays s'est sauvé? Donc la question de la contrebande sur le territoire haïtien, les bonnes questions haïtiennes seulement. Parce que les Dominicains sont donc très impliqués. Dans la contrebande, madame, monsieur, en Haïti. En clair. Et son problème, comme ça, oui, qui était posé, et Belader, son chauffeur dominicain qui a entré sur le territoire. Oui, avec contrebande, oui. Ah bon, avec contrebande. Et puis, il y a un bloqué, monsieur. Il y a bloqué, monsieur, il y a sa pièce. Ah, il y a sa pièce. Et puis, dominicain envahi. Oui. Et policier qui est là, oui. Et c'est quoi causé, ça? C'est pas grave qui passe là. Et c'est en complicité avec. C'est en complicité avec des mouns haïtiens. Normalement, monsieur. C'est pas grave qui passe là, oui. Oui. Alors, monsieur, on a parlé de discondé de ciment, oui. D'ailleurs, il y a un sénateur, il y a un sénateur qui est dans le plateau central, non cité dans la question de condamné. Oui. Pour qui est-ce qu'on donne le ciment, ça? Oh, sénateur, oui. Le côté de parlé là, oui. Sénateur, ça, qui dit, il y a un problème, bah, ça, ou qu'on en connaît, oui. De qui est-ce parlé? Ah, oui, ou tu as parlé de lui avant. Avant, non, on a dit, ou tu as parlé de lui avant. Sénateur, ça, ou qu'on en connaît, de qui est-ce parlé? Ah, ou qu'on est sénateur, mon cher. Ou qu'on est, monsieur. Et ça, oh. Et ça, c'est ça. De qui c'est dans ton palais? Ah, Esaïe Boucher. Ah, oh, quoi, quand c'est vrai, nous sommes là, Esaïe Boucher. Nous sommes là, Esaïe Boucher. Nous sommes là, Boucher. Tu vas aller, Boucher. Ben oui. Ou pas, Ablo, c'est ça que même sénateur, ça. Esaïe. Qui t'est élu comme député. Bon, mon petit cloche. Ah, ouais. Ah, ouais. Ah, on parle là. Bon, mon petit cloche. Parce qu'on a vu la petite bagaille. On avance. Ben oui. Quand on a ciment, papa. Oui. Eh bien, non sénateur. Yon non sénateur dans le plateau central. Non cité dans la question. Quand on a ciment, oui. Oui, mes amis. Non, connais. Donc, je dis, mes amis. Ok, qui qualité pays que nous avons? Et qui qualité pays que nous voulons tout? Je pense que c'est vraiment je dis. Donc, prépare ici. Hein.
comme nous toujours faisons dans des moments difficiles que le pays a connu. C'est nous toujours prendre responsabilité nous. Parce que le destin nous est dans nous que lié. Ça fait matin me poser question. Hein? Est-ce que Haïti est capable de compter sur petite li qui c'est haïtien, haïtienne, citoyen dans le pays ça? Ça fait matin me poser question dans matin débat. Sur qui est ce pays ça qui a compté? Parce que je dis, hein, il y a non seulement problème géopolitique ça yo qui posait. Parce que Dominicain n'y a pas avancé sur Haïti là. Pas oublier, une information m'a banou. Dominicain a une dette de 38 milliards de dollars. Et Dominicain fait signe avec la grande Chine. Il y a pas d'espace encore. Et tout côté, il souhaitait donc pour faire des investissements. Mais c'est dans zone frontière là. Donc c'est dans zone Haïti là. Donc il y a besoin Haïti. Haïti c'est le seul pays qui vierge là, sous son lit à vierge. Qui pas exploité. Il y a besoin Haïti. Dominicani besoin Haïti. Qui ne fait pas notre confidence. Est-ce qu'on connaît que quel que soit le président en 2022, si c'est en 2022 l'élection a fait, l'élection qu'a fait avant ça, mais qu'a fait après ça tout. Bon, si l'élection en 2021, écoute-le moi bien parler. Okay. L'élection a fait en 2021. Est-ce qu'on connaît quel que soit le président. La pensée en 2022. Hein? Quel que soit le ou mes femmes qu'a président en 2021, à partir de l'élection 2021, est-ce qu'on connaît que ou obligé. Moi dis bien, de quel que soit nèg ou mes femmes là. Est-ce qu'on connaît que lui obligé joindre une approbation dominicaine. Pour me battre, entendre pour le diriger avec les Dominicains. Ça a établi déjà la caille, monsieur Donald Trump. Établi. Déjà. Ok? Donc, quelque chose qui a vu le président là, ou bien femme qui a vu le président. Donc, il faut qu'on gagne Dominicani en bas bravo. Parce que le dossier Haïti, il va mettre déjà à Dominicain. Donc, de même, il a embrassé, il a bêtisé, il a fait dilatoire, il a fait démagogie. Et puis, regardez ce qui a passé là, aujourd'hui, alors qu'avec la République Dominicaine. Qui réponse nous a donné à Dominicani aujourd'hui là? 44, 54, 57, 57, n'a pas là avec question. Qui réponse que Haïti a donné aujourd'hui à la République Dominicaine? 44, 54. 57, 57. Donc, nous avons des mots par nous, maintenant, nous avons maintenant des débats. Donc, sous question ça. Et 44, 54, 57, 57, eh bien, nous avons maintenant des mots par nous. Donc, sous question ça. Maintenant, dans l'émission, maintenant des débats. Pour capable placer mon pour la cognac. Donc, quelque chose à côté, 44, 54, 57, 57. Je dis, ministre des Affaires étrangères, est-ce que le patat doit rappeler, donc, personnel diplomatique, ou du moins, rappeler, chargé d'affaires, que nous avons en République Dominicaine, non? Et il convoquait donc ambassadeur dominicain déjà. Donc je dis, qui pense que Haïti. Alors, Antonio Rodrigue est convoqué, ambassadeur dominicain, ok, dans le ministère. Très bien. On allait, 44, 54, 57, 57, on allait, pas arrêter trop. On allait, qui pense. Oui, bonjour. Bonjour. Bon, normalement, si on peut, il nous gagne. C'est comme si nous pas gagné des dirigeants qui ont passé. Les gens ouais seulement individuellement comme si en tenant poste piller maintenant pour jouer à la série et puis payer même à mourir devant tout le monde. Ça veut dire l'organe de dirigeants c'est qu'on ça la pensée côté nèg la pas gain un souci pour quitter un héritage pour génération qui venir. Gardez pour depuis n'a parlé de citadelle. Mais citadelle là ça qui fait Jean-Christophe qui défait mais je dis nous tout cap parler de lui. Mais après plus de 80 ans et 50 ans, qui le monument historique nous crie, rien, nous pas sans rien encore. Eh bien. Bon, depuis ce Divali, nous avons l'airport, mais il y a tellement sans honte, ils ont retiré l'airport Divali, ils ont mis tout seul l'ouverture. Ok, Divali était fait ça depuis plus de 30 ans, mais au moins, dans 30 ans, dans 10 décennies, mais 1 ans, 3 décennies, au moins, nous pas gagné l'airport international, ou bien toi, nous pas gagné. Eh bien. Bon, mais si on paye ce qu'on s'allie, c'est dégringoler la dégringoler. Mais nous-mêmes, ce petit jeune, nous n'avons pas la vie pour petit jeune encore. Très bien, très bien. L'éducation nous fait mal.
Très bien. Tout plan de économie nous fait mal. Agriculture, bonjour, je ne veux dire à la ville, ça peut la pas même gagner espoir à manger parce que je veux dire, si les petits gendis qui sont là-bas, peuple à manger, il y a des gens qui bouquent manger gendis, mais pour dire, c'est ni jeune chaque jour. C'est ni le plus je mange. Merci, Bill. Pas arrêtez-toi. Merci pour l'émission. Merci, Bill. Ça nous a de faire, je veux dire, face à ça, ça a passé donc, avec Dominique Annie, je veux dire, bonjour, bienvenue, même sur la télé, allô. Allô, Martin Deba, bonjour. Bienvenue dans l'émission. Allô. Si vous croyez, vous. Oui, on allez. Oui, ça montre que un Dominicain dans l'autre là. Nous qui sommes absents, en façon que le monde là bouleversé, juste pour attaquer nous. Ça montre que nous pas un pays, nous pas un État. Ça montre même tout si nous n'avons pas aucune fierté dans le pays. Hein. Imagine Dominicain fait ça que le café là. Ça montre que le pays a bouleversé totalement. Très bien. Merci, Bill. 44, 54, 57, 57. Parlez de toi. Bonjour. Bienvenue, Nem, ce matin de Balo. Bonjour. Bien à tête à tous. Bonjour. Moi, pour l'émission, la première fois, je vais parler. Je vous félicite pour l'émission. Je vais nous en pile, comme je dis ça. Merci, Bill. Mais tout ça, la République Dominicaine appelle, c'est top 100 honte. Et l'Oukodési, nous gagnons dans le pays d'Haïti. Nous gagnons top 100 vergogne, sans caractère. Parce que nous pays tant que nous, République Dominicaine, dans la capacité à faire. Et parce que nous avons trop mal propre, excusez-moi, des sessions, qui prend des cas, fait des constructions en République Dominicaine, parce que c'est un pays à rester de la buvée. Si nous devons un pouvoir, quand il n'a pas arrêté même la France à Divalier, il faut qu'il y ait une prison, pour nous connaître, pour qu'il soit bien, c'est dans la République Dominicaine, il y a peur, Dominicaine, il y a la France à venir à la France. Pour nous, il y a des pays même définitivement, qui pourraient ranger cause. Même côté y a shooté paquet bleu fait ça gagne sous pouvoir là paquet 140 ça qui pour tout passer main autour pour mettre un l'ordre entre frontière République Dominicaine parce que paquet là qui dans ghetto y a financé gagne gros amen mais yo je pas fait pour gagne amen non mais pour imposer rationner l'Oukodési pour vérité la bâtie matin à tous et pour mettre Morin mais c'est kembe zamen non mais pour République Dominicaine qui imposer nous vivre là madame regardez-moi quand ça passe avec sirène. T'as pour y sous Delma et aéroport déposer mon marché. C'est pour y aller, c'est pour y voir net ça. Aller essayer force derrière. C'est ça pour y faire. D'accord. Parce que nous-mêmes, il y a toujours aïe. Nous, je sais que pour y trouver nous-mêmes. Ça va être vérité pour faire la connaître. Parce que c'est un vacabre, nous-mêmes, après la fille. C'est ça que c'est, ça me devait dire. D'accord. Merci, Bill. 44 secondes, 44 secondes. Bonjour. Moi, pour en aïe ce matin. Ça, Haïti, t'as le fait, je dis. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour. C'est Loco? Oui. Mon cher, tout ça qui passe, ça dépend de l'inconséquence la caille, autorité la caille, nous, Haïti. Vous voyez comment? Très bien. C'est ça que fait, Dominicain prend, il prend nous la passe dans le papier. Parce que là, c'est que, là, nous sommes à l'école. Je te dis, Haïti, Haïti est un pays essentiellement agricole. Mais quand l'agriculture pays, il y a 20 personnes dans le pays d'Haïti. Il y a tout le monde dominicain, il y a là. Vous va comprendre? Et quand il y a pas ça, il y a pas ça en bas à pied. Vous va comprendre? Eh bien, merci Bill, 44, 57, et on a l'air prendre encore quelques appels, donc ceux qui sont ça. Bonjour, bienvenue dans l'émission Antenne Débat. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allô? Non, ça m'a dit, non, comment pour nous capables faire face à l'objectif dominicain? Parce que pour commencer, nous avons l'armée, même si l'armée n'a pas de bon, mais son institution était quand même bien. L'armée, ça, même si le babo est à restaurer, mais il n'est pas à démobiliser. Je ne veux dire pas, dominicain, à souffler nous. Monter sous territoire, nous, quelle que soit la décision, pas une réponse radicale qui est capable de faire avec nous. Parce que nous ne pouvons pas parler de la police qui a pour mission pour protéger vie et bien, la police pas formée pour bataille. Donc, mes conséquences, démobiliser une institution, prendre toutes les amis, distribuer par tout le monde bandit, hein, qui mettait nous dans la position que nous je veux dire. Donc, ça pour faire, il faut que autorité haïtienne nous prend conscience. Hein? Prend conscience. Parce que la carrière politicienne nous besoin de bagages, capacité et conscience. Mais ça dit conscience là, il va de capacité, ça dit capacité, elle va de conscience. Donc je vous dis, la médaille n'est pas bon. Il fait un pile tort avec la population haïtienne. Non? Mais son institution, son vrai démocrate, ou pas de démobiliser une institution,
ou doit restaurer si pour capable rester au pouvoir. Je dis ah, c'est pour nous concertation pour nous bailler une réponse appropriée pour nous réformer l'armée. Mm-hmm. Comme on se dit dans exposé là, si c'est démagogie qu'a fait, c'est démagogie. Mais si on a mobilisé l'armée qui là pour défendre territoire nous, c'est pour toute instance, tout pouvoir pour se faire des concertations pour nous voir pour l'armée qui répond à tout besoin et nécessité. Et il est obligatoire pour nous donner force armée qui est capable de bataille pour défendre les droits. Très bien. Merci en pile. Là, pour encore un dernier appel, parce que madame, monsieur, je ne vais pas nous tout parler. Parce que je ne vais pas nous parler. Allô? Oui, allô, bonjour. Merci beaucoup. Bonjour, vous. Et nous saluons, Luko. Oui. Côté drapeau, non. Est-ce que vous avez drapeau? Nous pouvons vivre drapeau et bien français dans le pays et flotter dans le pays. Alors, vous êtes fâché. Et tout ça n'a fait là, y'a calé, nous n'a pas en déception, oui. On peut avoir même sélection, et bien, si mesdames, y'a calé, y'a cagé, mais y'a obligé de faire bac. Et nous, pas un drapeau. On met un drapeau, et blanc français, et flotter dans un pays, depuis après 86, soit depuis après 86, il y a déchiré par campagne, passer gomme avec, passer palto chiré, on prend l'argent, pas capable d'unir, parents divisés, pays à diviser, nous-mêmes, hein? C'est nous-mêmes qui mettons nous dans la situation ça. Nous c'est quoi la première république noire qui vous met tout noir sur la terre, l'indépendance, qui est en pile pays qui est noir dans le drapeau, et puis nous-mêmes nous pouvons vivre droit pour bien oui, hein, bah, si on te met la police financière et des salines, n'a pas de pays. Nous faisons commencer pour calou, et ça me dit nous. La pensée sur ça. Merci. Merci en pile. Mes amis, on est tout le monde à me parler, mais nous faisons un petit rappel. Parce que nous avons une équipe pour là qui est important. Et donc matin, sur table matin débat, on n'a pas assuré que nous épuisés. Donc presque tout point. Ok, nous gagnons et au lycée Pierre Rich, donc KP intervenu tout à l'heure sur question dominicanien, ainsi que Dieudonné Lérisson de PHTK, donc qui va l'intervenir, donc sous question ça. Et nous parler dans le Parlement et avec Josué Lexidor, le Parlement haïtien attaqué. Matin, bonnet, dans 4h du matin, il y a une grenade que moun pas arrivé identifié, donc vous voyez sous Parlement, et pas un monde qui mourit. Donc nous parlons de question avec Josué Lexidor qui lui-même dit sous place. Donc depuis le Parlement haïtien, depuis le Sénat haïtien. Donc nous pas capable de continuer de prendre appel encore parce que vraiment étant à faire nous la guerre, qu'on est chaque haïtien là. Donc toute plume monte sous de nous. Nous t'aimé parler, nous t'aimé intervenir. Donc dans l'émission matin débat, mais vraiment et nous obligé camper sous appel yo. Donc ou mettre continuer faire débat avec moun ki bokoto et continuez à échanger ensemble avec nous et nous-mêmes dans l'émission Matin Débat, où on est téléphonant déjà, et c'est avec plaisir que nous avons échangé avec vous dans cette émission. José Lectidor, comment nous est? Eh bien, je salue Louko, je salue Zahir, Pierre Matin et tout le monde qui est dans le studio, et puis auditoire mondial, Matin Débat, c'est un plaisir. Là. Ça qui passe nous, au Parlement. Qui parle au Parlement? C'est normal, mais non, chambre de députés. On dit non, local que nous avons gardé, là, c'est local qui est logique. Alors, partie administrative, Sénat République, là. Uh-huh. C'est partie administrative. On a créé, mais a constaté vite, là, l'écrasé, il y a plusieurs, et tout cartouche, là, et vite, là, cassé, on a battu tout, nous, en l'air, dans bâtiment, vite, qui logé, alors qui a pour fenêtre et bâtiment, nous, avons plusieurs, et pas cartouche, là, environ quatre, et puis en bas, et nan ti local côté là après rentrer pour ba et sécurité pour y a fouiller moun ka rentrer yo et visiteur yo donc nan espace ça vite la li même écrasé et puis gagne plusieurs impact cartouche tout dans vite là donc comme dit pour l'instant DCPJ bri police scientifique la li même ni là il y a yo en cadre scène là et puis il y a essayé qui tenait des monde qui étaient là, des agents en sécurité qui étaient chez nous. Mm-hmm. Pour l'instant, c'est ça, la situation. Donc, j'avais essayé de faire aller avec, Premier élément d'information, tu as fait quoi que c'est en grenade de vous sur le Parlement? Est-ce que vous confirmez ça? Bon, est-ce que c'est grenade? Pour qu'on ait information ça, mais les gens n'ont pas dit une parole et pas comme si tu as une grenade, c'est tout bois parce que tu as boulé. Mon pardon, mais c'est des impacts de peau balle. Donc c'est des tours de cartouches, nous venons vite là, lui est écrasé. Mais question grenade, nous pouvons gagner ça comme information. Et que nous te parlons avec un agent de sécurité qui même qui t'a essayé de nous chaque passé là. Les dit donc c'est environ du matin, 4h30, pour ça, il était sorti plusieurs cartouches dans le local Palma. Donc c'est pour l'instant c'est ça.
ça, mais il faut qu'on ait confirmation qui ça qui passe en vrai, donc la peine de CDJ pour lui-même dans notre équipation sur lui-même, ça lui-même ni jeune sous scène là. Très bien. Eh bien, on va parler avec nous, sur la sécurité, ou bien on quitte là. Matin, eux, c'est vers 4h du matin. C'était 4h, donc il avait essayé. L'agent sécurité pour moi, mm-hmm. et nous sommes capables de jouer, nous avons eu l'agent sécurité et la République là. La police. Non, ça a passé là, ça a passé. Parce que nous avons là, et parce que tout ce matin, le débat, soit d'une clé avec le Codin. Toutes les informations, c'est que ça le taille, c'est ça. C'est enquête à mener, Si tu as gagné un grenade qui t'a tombé dans le bloc, ça là, et le coup, l'impact ça nous est là, il n'est pas là seulement. Très bien. Eh bien, nous sur place, nous avons une fois qu'il y a évolution, parce que la police et cette équipe là, il y a là, il y a des CPJ qui là, donc une fois qu'il y a évolution, la brûlé et la brûlé, vous n'avez pas encore. D'accord, pas de problème. Bon, en fait, on a rappelé, c'est le Parlement, l'y abrité, le Sénat de la République et la Chambre des députés. Les députés, très bien. Ok, bon, et on va essayer de parler rapidement avec le sénateur Joseph Lambert, mais j'espère que la disponible, et parce que justement, et comme le président du Sénat, président papa de l'Assemblée nationale, et c'est sûr que probablement, et il y a quelqu'un, hein, papa pour aller qui bon, hein, papa, il y a comme président, papa, animal politique. Oh, non, oh, et nous allons parler avec, mais, et j'arrive, Pierre Martin. Et gagne autant là que gagne un matraquage qu'a fait là contre le gouvernement. Oui, même mon vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Côté moun ça, moi quand gagne une convocation matin dans parquet. OK, yo t'a retracé moun là, il y a une convocation matin dans parquet pour la répondre question la justice sous question ça même et vidéo ça qui a circulé sur les réseaux sociaux côté et des menaces hein qu'a fait sous parlement haïtien. Eh bien, en tout cas donc son dossier est n'a suivre et ben nous gagne Josué Lexidor lui-même qui pratiquement donc sur place et depuis le parlement haïtien mais information qui était arrivé en fait sur les réseaux sociaux matin également dans la presse il t'a fait quoi que c'est un grenade que il t'a lancé sur parlement mais suivant dernière information que nous avons gagné de Josué Lexidor donc qui sur place et ben des impacts de balles donc thèse de grenade là tombé lui tombé pas gagne fait grenade là parce que justement si c'était grenade de et suivant qu'on s'accueille fait donc t'as bien plus vraiment plus éclat dégâts, ouais. plus dégâts donc mais pour le moment c'est des impacts de balles et il confirmé gain presque peut-être 4 à 5 projectiles et selon ça ouais et donc qui t'a censé et tirer donc sous parlement maintenant il y a toute une unité de la police qui est spécialisée dans la question qui pratiquement sous place donc en attendant qu'une jeune est-ce que c'est diversion qu'a fait qui s'est fait qui s'est passé et est-ce que ça gain avec question et c'est un hein, qui t'a doué lui-même et présenté et déclaration politique générale dans jour qu'a vinn là-haut. Est-ce que c'est intimidation? Oui. Parce que des parlementaires ou même yo dou clair, yo pas là-dedans. C'est qui c'est PHTK lui-même dou la praler, yo bay député yo instruction pour voter en faveur. On va regarder question ça, on va regarder question ça tout à l'heure. Qui ça a fait? Qui ça a passé? Très bien. OK, bon. Olivier Perrichet, comment on y est, et Dieu donne les questions, comment on y est. Nous avons parlé de questions dominicaniennes, nous-mêmes de côté, nous comme haïtiens, en fait, qui sont nos questions, ça. On a les rapidement. Et alors, avec Dieu donne les questions, nous avons tout gardé question PHTK, et donc, Wall, que PHTK a mis la bien pour jouer, non, et formation, nouveau cabinet ministériel là. Oui, Olivier, on a les. Merci, monsieur Désir, et moi, content pour moi,
avec nous dans matin débat et surtout pour présenter à Pierre Martin et toute condoléance moi et particulièrement non seulement à famille mais à pour ancien professeur moi maître Inex Jean-Charles. Je connais toujours parler de ma tante li et on connaît la vie c'est comme ça au fait faut aller. Mais quand Isaïe lui-même nous dit monsieur commencez mettre quand son dans taille parce que il va gagner cabine craser chaise la caille ouais, et me connaît moun qui dans diaspora matin il a réussi des douanes moins il a réussi dit moins yo ouais moi vinn vendre loco desim moi vinn parler avec lui parce que pas caché d'où que mal Canada quel soit côté malien yo dit pour qui ça me pas venir dans matin débat bon on t'a dit désir et loco qui New York là ça veut dire que moins venir dans matin débat qu'on y a matin hein résil ça veut dire me payer bah là et moi docteur Montalno Jules captain de moi et ben félicitations moi là matin dans matin débat mais qui t'aime jour on va aller sur question l'armée d'abord alors je donne l'élection et bonjour bienvenue dans matin débat alors on a tout entré dans débat et sur question dominicanien ensemble et on aller je donne comment oui bonjour Loco bonjour t'as le mon frère il va sortir non et chef là et t'allez je donne t'allez donc on fait manœuvre technique avec Rolando t'allez je donne oui bonjour Loco très bien bonjour toute l'autre panélisation bonjour Esaïe collègue puis matin tout n'a profité occasion pour nous présenter toute sympathie nous et sympathie secteur populaire haïtien à toute PHTK. Son plaisir pour nous dans un gros forum pays et pour nous opiner sous des sujets très épineux. Très bien. Tant que dossier Belader là. Louko, sous permettre moi. On allez. Moi crois que contrairement à déclaration PM là t'a fait comprendre que son question de contrebande dossier Belader là, il plus que ça. C'est un dossier culturel, c'est un dossier historique. Et qui mandait pour autorité haïtienne réunie en urgence. C'est vrai que chef l'État, comme chef de la diplomatie haïtienne, c'est vrai que chef l'État est passé des instructions pour te gagner des autorités en l'État qui te rendent sur les lieux. Mais je dis à faut gain des dispositions qui prend faudrait-il que le gouvernement haïtien baille aux réponses parce que peuple haïtien un peuple guerrier un peuple qui fait l'histoire je dis a pas capable à peu un genre de comportement ça yo gagne environ 13 haïtiens qui prend balle. Actuellement là, pendant que m'a parlé avec vous là, population Belader sous deux pieds. Ok. Aucune machine qui t'apprête Belader pas arrivé. Ok. Pendant que m'a parlé à vous là, moi en contact avec Belader. Avec Belader. Très bien. Donc, gouvernement haïtien, le chef de l'État doit prendre des dispositions pour avoir une réponse, parce que peuple haïtien voit en pile pour peuple dominicain. Si nous fermons frontière nous, je dis à la pendant une semaine, pendant deux semaines, à une manifestation en République dominicaine. Bien, bien. Mais après dommage collatéral parce que haïtien. Bon, de toute façon, il faut une réponse. Comment quoi? Par rapport à ça qui passe là, et nous regrettons dans la délégation qui est allée Belader là, nous battons la présence ministre de Défense là, correct, avec commandant AI, la force AMIA. Très bien, très bien. Donc, très bien. Là, l'important, je dis là, l'important, c'est une exigence pour que force armée d'Haïti a les fonctionnels, les mobilisés,
et n'a profité occasion ça pour nous féliciter président Jovenel Moïse qui te met que sol dans taille pour te mobiliser la force armée d'Haïti, mais n'a pas dit il pas doit remobiliser sous papier. Oui. Donc on ben jeune garçon qui te prend formation dans Équateur. Jodi a ka flené dans toute la rue. Et yo même gen problème intégration dans la mesa. Oui. Non, la mesa. Pas possible. Ah. Faut ça yo résoudre. Pas possible. Donc moi même et pendant n'a pendant alors Louko m'a parlé là c'est deux chapeaux m'gen. Non, n'a pas c'est même PHTK. Pas sur le chapeau. M'se un 4 PHTK et m'se président plateforme nationale secteur populaire haïtien. Nous nous gè petit secteur qui prend balle là-bas, nous profiter occasion ça pour nous voyer. Oui. C'est parti nous bay petit secteur qui prend balle là-bas. OK. D'accord. Eh bien, OK, Olivier et Pierre. Maintenant, on aborde des questions où dans livre moi t'ai écrit nécessité pour une force publique provisionnelle et crédible en Haïti parce que ça qui a passé là-bas faut nous considérer sous deux angles. Premièrement, il faut nous considérer le sous-angle de sécurité publique. Le SAA, nous allons aller dans l'article 266 de la Constitution 29 mars 1987. Qui dit que les forces armées d'Haïti ont pour mission. Première mission, c'est pour défendre le pays en cas de guerre. Maintenant, soit regarder ce qui a passé là, ou tu as dit commencer à dire c'est un cas de guerre. Protéger le pays contre les menaces venant de l'extérieur. Ça, où elle est. Assurer la surveillance des frontières terrestres, maritimes et aériennes. Maintenant, question ça, les spécifiquement concerner les forces armées d'Haïti. Au premier plan, le général par intérim était déjà supposé réunir avec le état-major pour commencer à connaître qui disposition qu'il a prendre dans la mesure où les forces armées d'Haïti étaient fonctionnelles. Parce que jusqu'à présent, après 23 ans, les forces armées d'Haïti étaient fonctionnelles et opérationnelles. Bon, ça c'est la première question. Maintenant, une autre question qu'on a sur le plan diplomatique. Dans un diplomatique, là, nous avons considéré ça comme un incident diplomatique. Pourquoi ça c'est un incident diplomatique que nous avons considéré? Parce que l'heure où prend une armée étrangère qui partageait même île avec vous, c'est-à-dire que nous sommes frontières ensemble, l'armée li envahit territoire là, parce que ça son cas d'agression lié, li envahit territoire là. Maintenant, diplomatie pays et premier travail que ministre Antonio besoin faire, parce que sous pas veut arriver dans guerre, parce que pas oublier non Haïti pour qu'on gagne suffisamment possibilité pour lui capable de répondre à cas d'agression ça de manière proportionnelle. Maintenant, former une question sur terrain diplomatique. Ministre des Affaires étrangères là, li font premier devoir, li mandé ambassadeur dominicain li relé pour consultation pour capable gain explication de qui ça passé. En même temps tout, ambassadeur en même temps tout, chef diplomatie noir li besoin entrer en consultation, rappeler pour consultation chargé d'affaires noir qui dans ce domaine pour nous donner toute explication. Maintenant c'est sous question ça pour nous commencer considérer ba là parce que l'oba ka goumé avec au monde maintenant faut ou utiliser question diplomatique yo parce que ça qui a passé là moi quoi nous pas dit seulement pour avec un simple communiqué un simple tweet pour nous dire que nous voulons défendre intégrité territoire. Maintenant je pense que au plus haut niveau de l'État c'est pour gagner des décisions qui moi c'est pas vous une délégation aller parce que ouais tout à l'heure monsieur Lérisson Sodi il regrette que ministre défense là pas faire partie de délégation mais lorsqu'on situation constante ça son situation armée liée mais en même temps les diplomatiques moi même penser question hein, faut nous aborder le sous en diplomatique là et laisser là wall chancellerie haïtienne là libral n'ta ka dit de haut niveau pour commission haïtienne dominicaine commission qui en dans direction qui en dans ministère affaires étrangères là pour rapidement pencher sur question hein, et pour avec qui solution diplomatique que capable venir dans la mesure où solution diplomatique pas capable bailler résultat le ça on pensait nous pral obligé passer à la mobilisation nationale parce que chaque citoyen haïtien lui appelé pour le défendre intégrité territoriale. Eh bien, maintenant, on parle tout à l'heure de en fait, thème militaire là, c'est casus belli, son cas de guerre. Et en principe, je dis là, est-ce que
nous pas t'adoué ben en réponse en fait sur le plan diplomatique. Ouais, c'est réponse diplomatique d'abord pour venir pour qui ça? Parce que les forces armées d'Haïti li poko opérationnel. Si le poko opérationnel, qui gens ou pral répondre à une agression militaire? Là on pas capable. Et d'autant plus tout, faut qu'on mesure taille ou faut qu'on mesure force tout, est-ce qu'on capable camper pour répondre à agression physique ça que vous faites, parce que le par exemple l'armée dominicaine décide pour envahir territoire là. Le décide pour envahir territoire là militairement, maintenant seul moyen nous gain kounya là pour nous commencer négocier bagay là, c'est voyer sous terrain diplomatique là, et terrain diplomatique là c'est chancelier haïtien, c'est la chancellerie haïtienne qui pour commencer résoudre question. Pas oublier, le président est le chef de la diplomatie haïtienne. Et t'as dit tantôt, ça dit bien, et c'est vrai parce que pendant presque 17 à 18 mois Haïti pour que jamais désigner un ambassadeur, ça veut dire nous gros problème qui très sérieux dans niveau diplomatie pays a. Je dis à moi quoi, faut sagesse nous chita et faut intelligence diplomatique nous développer pour nous résoudre question ça, pour le faire moins dégâts que possible, que ça le commence à dire, parce que gain mort d'homme du côté des haïtiens. Moi quoi que réponse là l'état doit proportionnel, mais en nous garder tout ça qu'arrivé, et pas oublier 1935 ça qui est arrivé déjà. Moi quoi jodi hein, c'est une solidarité nationale et son intelligence de citoyens haïtiens qui pour développer pour nous capables passer ainsi dans ça pour pas faire plus de dégâts que jamais. Dieu donne Lugo. Pour moi enchaîner avec monsieur Pierre Rich, c'est ça? Ben Pierre Rich. Au lycée. Je dis il faut une réponse de la part de nos autorités. Et la réponse doit être diplomatique. Il y a l'OEA et l'ONU. Que l'autorité haïtienne doit écrire dans les prochaines minutes. Non, s'il vous plaît, nous arriver là. C'est ça qui fait, parce que pas oublier qu'il y a un rapport diplomatique entre Haïti et Saint-Domingue. Maintenant, si on est sur le plan historique, ça me besoin que nous connaissons. L'île appartenir aux Haïtiens. Ça, c'est pour nous connaître. Dominicains n'ont pas de goumé pour l'île. Là. C'est nous goumen, nous prenons l'île, c'est l'île nous lie. Maintenant nous partager avec eux, nous considérer comme petit frère nous. Camarade, si vous permettez. Nous avons 8 morts. Nous avons une bonne blessée. Oui. Jodi a une bonne instance internationale. Haïti signe des conventions. Haïti c'est membre l'ONU. C'est membre OEA. Ça c'est un avertissement de guerre ou bien une tentative d'occupation. C'est une déclaration de guerre. Non, député l'élection, si vous permettez, nous pouvons arriver là. Moi-même, quoi faut nous. Est-ce que nous avons considéré ça comme une déclaration de guerre? Nous capables, dans une certaine mesure, considérer comme une déclaration de guerre. Le par exemple, deux chefs diplomatiques finent rencontrer, parce que pas oublié. Monsieur Antonio Rodriguez homologue, qui est ministre des Affaires étrangères dominicain. Maintenant, question consultation, il faut commencer à faire ensemble. C'est le gain échec au niveau, toute rencontre diplomatique, le gain échec. À partir de ce moment, nous allons aller dans l'autre instance qui est plus haut parce qu'on a gagné mort d'homme et gain blessé pour qui gens nous allons conseiller. Parce que pas oublier, nous partager il ensemble, nous pas gain intérêt pour nous goumer et d'autres en plus que. Sur le plan militaire, Haïti pas prêt pour le faire face. Monsieur Berich, nous pas gain intérêt pour nous goumer. Nous gain frère nous yo. Nous gain frère nous yo qui tombé. Non, ça c'est diplomatie hein, qui peut résoudre les kounia. Nous gain frère nous yo qui tombé. Nous gain frère nous yo qui blessé. Donc il faut autorité haïtienne yo. Je dis à là, nous pas capable dans tim bois sèche. Nous pas capables faire nous pas dans niveau, nous pas de dimension pour nous faire la guerre, mais gagner des démarches diplomatiques yo. Faut que autorité haïtienne yo enclencher, mais on commence déjà, c'est ça, commence là. Est-ce que Dominique a attaqué Haïti là, je veux dire là? Absolument, maintenant qu'on y a ça pour chercher, qu'on est
c'est intelligence diplomatique qu'on a qui pourrait est-ce que c'est une instruction formelle que l'armée dominicaine recevoir pour faire invasion ça et dans même sens tout faut nous épuiser tout droit diplomatique exactement c'est ça toute facette diplomatique on question avec le député Gantier à sur question ça on a député comment nous non là Louko et m'a salué et député a m'a salué toute équipe et auditeur et auditeur et auditrice et radio éclair et puis et donc Zamé qui toujours fanatique et Shoah donc je pense aujourd'hui n'a débattu au point qui est extrêmement important et moi-même en tant que député Gantier Fonverette qui c'est deux communes et qui trouvait sous les frontières là et donc je pense et c'est un dossier moi-même qui concernait et non seulement comme citoyen et circonscription mais comme député et circonscription et le comme après appelé et ça va passer dans Mirbalea et c'est un bagage qui presque débouché et sous même genre dans quartier tout dans Front Verret ah bon parce que jodi a nous gagnons des dominicains qui traversaient les frontières là qui viennent prendre et bête ça veut dire animaux moun yo mari et sous bon panon en Haïti yo vini yo couper quoi yo saisi bête yo et puis yo même et citoyen dominicain avec la main yo vient piquer yo dit moun yo avancer saisi jardin moun yo et puis avancer yo dit mes côtés tay yo donc yo réclamer poste tête panon yo et mettre sous tête pa yo donc on pensait et bagaille ça yo c'est bagaille qui dans oreille et ministère qui chef collectivité hein, donc qui c'est ministère de l'intérieur et nous intervenu à plusieurs reprises jusqu'où n'y a pas rien qui fait ça c'est un petit rappel mais dans niveau m'a suivant pile intervention différente monde fait mais et nous connaissons son nek qui connaît bien système mode là comment il opérer dans autre monde là et après qu'y a pas presque parlé de allié militaire encore, on y a ces plus alliés économiques. Et l'homme qui a des quatre figures et République dominicaine avec Haïti, nous gagnons un gros âme dans maintenant, non seulement nous gagnons un âme diplomatique là, parce que c'est normal, nous connaissons Haïti, c'est un pays qui participe dans mettre ONI sous pied, ça c'est un âme nous gagnons maintenant, et nous avons dans une série et des conventions qui protéger non donc kounia qui pas important pour nous même à parler des questions affrontement ou bien intervention militaire ça il presque pas applicable encore dans le système mode là kounia en nous garder non étant nous en de convention non même qui gens puisque Dominique on a attaqué non sous à plusieurs reprises mais non même pour nous connaître sous qui forme nous bral fight maintenant sous qui forme nous bral répondre et nous qui amenons mais non loco je dis on connaît combien des milliers de dollars cap sorti dans diaspora on dit qui transiter en Haïti diaspora en Haïti et après tout comme ça n'ont pas gagné un l'état qui ont politique qui pour québec comme ça en Haïti mais non seulement rester dans phase et consommateur et République dominicaine si je dis hein, et gouvernement Haïti a dit la paix dominicaine réponse qui t'a coupé ou accord mettez on là dans accord commercial nous gagnons et avec République dominicaine non semaine ou là regarder ça qu'a privé ces deux pays donc ça veut dire nous même nous gagnons zam nan menou pour nous répondre dominicain donc on pensait l'état haïtien et gouvernement il est pour camper parce que bah il arrivé dans moment côté faut qu'on bagaille qui fait très bien en tout cas et là son dos c'est n'a suivre député mais ou pas une information matin là donc sous commune voilà et parce que oui? Tout le monde a regardé le dossier Bella de la Jodie, mais par contre, sur toute fonction là, le Dominicain a fait des ordres. Donc, sur tout le monde, ni quoi, ni au Grand Bois, ni Fonverret, et ça que fait que ça n'a pas qu'à rentrer, et c'est parce qu'on connaît à Fontarizé, on sait son zone, on ne peut pas jouer là. Oui. Donc, c'est ça que fait un petit calme respect par rapport à Fontier Malpasse-là. Mais le Dominicain va prendre le point. Et c'est parce que c'est faiblesse démocratie et diplomatie noire et me penser l'île pour président république là il met son dans ta vie
pour qu'on les sous qui font nous même n'a pas ces domaines réponse. Et moi même en tant que député du PET, j'aime passer parlement pour lui fixer position dans sa capacité. Hein. D'accord. Merci en pile, député. Merci en pile. Merci en pile. Merci, merci. Ok, et monsieur, on a allé rapidement. Je vais laisser, en fait, sénateur Joseph Lambert sous femme là. Et nous allons faire un petit avec lui rapidement. Alors, oui. Oui, mais pas oublier, nous avons une police frontalière qui fait déployer sous frontière là. Ça veut dire, leur prend. Cas ça, on ne pas dire c'est cas isolé, oui, parce que yo répété souvent. Maintenant, qu'on y a fort qu'on fort que nous que la police là pour qu'on parle pas capable d'assurer en sécurité sous frontière là. Maintenant, c'est l'armée et c'est la question hein, li fondamentale parce que est-ce que nous après 23 ans nous rendons l'armée à dysfonctionnel, qu'on y a nous voulons mettre le fonctionnel, est-ce que nous avons opérationnel pour sécuriser les frontières là? Faut nous faire premier travail ça. Et deuxième travail là, diplomatie non, faut nous renforcer li, parce que pas oublier pays ça, deux pays ça, ils ont condamné pour vivre ensemble. Et me toujours dit li, l'île c'est pour haïtiens liés et dominicains au connaît l'île c'est pour nous liés. C'est ça qui fait yo développer attitude d'arrogance ça vis-à-vis de partie l'ouest là pour yo au grand maximum pour capable prendre plus espace géographique. Songez tout à l'heure où se dit ou pas même connaît si nous était 27 000. Mais songez c'était 27 500. 500. Mais de temps en temps, yo a poussé nous, il a poussé nous et qui ça a fait? Yo développe une stratégie, toute ville frontalière yo, yo même bon côté pa yo, yo prend des dispositions, yo fait ville frontalière yo ou senti ce côté moun capable vivre. Nous même bon côté pa nous, nous rend ba la tellement misérable, nous pas envie vivre là-dedans. Ça veut dire moi quoi? Je dis non seulement faut aborder des questions sur le plan diplomatique pour nous renforcer capacité diplomatique. Nous et là moi même quoi? Université haïtienne nan ta doué développer nan curriculum ni même une question de maîtrise pour voir même doctorat pour question dominicano-haïtienne pour nous résoudre là pour nous capable comprendre qui gens deux peuples ça yo a développé et qui gens rapport yo a pied ensemble parce que très souvent monde qui sous ville frontalière yo vivent en frère accès très souvent c'est politique qui rend question plus compliqué. Difficile. Là, moi même pense que c'est faut nous aller là, mais question pour nous ouais aujourd'hui avec agression ça qui fait là, faut nous aller avec lui en profondeur pour ne pas courir dire nous pral déclarer la guerre et puis tout à l'heure pour pas ouais ça a été fait nous récemment. L'heure te débat qu'on flotte pour dire c'est aide humanitaire que porter ban nous, puis pas faire même bagarre là avec nous encore. Vous dénoncez là. Les ils sont dit tout non d'autre façon. Que équipe qui est allée, faut que nous signaler quand même c'est premier ministre démissionnaire là ça sont des scandales bon scandale mais ma vie sous moi même c'est pas politique. Il est démissionnaire il pas qu'à engager l'État absolument mais d'une certaine façon du canon délégation pour aller la ministre nommé à Tekalé tout. Absolument, c'est là que je dois. Ministre nommé à Tekalé tout. Et c'est ministre nommé à Tadoué. Oui. Ou Clément Martin Tadoué. Maintenant, comme d'habitude, oui, comme d'habitude. Nous montrons encore nous gagnons des premiers ministres. Bon, nous pas des premiers ministres. Non, mais c'est vrai. Qui nomme à Guédé Bagay, il pas qu'à faire. Il est calcié, j'ai un premier ministre. Bon, nous on est des autres. Ouais, nous on est des. Eh bien, c'est ça. C'est ça que je voulais monter. Maintenant, l'ordre des autres dans l'État, ça. Pour son premier ministre, que voisin connaît très bien, qui passe, j'ai le passé. C'est lui qui a le paraître là. Ça veut dire que, ou non, bon. Maintenant, moi, je devais venir sous question la meilleure. Ça veut dire action passée. M'a regardé chef gouvernement l'élection annoncé que ministre défense là pas de fin l'élection il te signale mais mettre là dit que la mère ou reconnaître l'hypoco opérationnel ça veut dire si gouvernement pas même voyer ministre défense là monsieur il pas reconnaître qu'on la met ou clair. Ou clair, mais ça veut dire que gouvernement ou bien
pouvoir même connaît pas gon armée. Pas bien monsieur. Les pas question comme si me dégade mon a dit l'armée l'armée. Parce que l'offre dit ça me dit mais écoutez, mais l'armée a mis des ministres, ministre de la culture dehors, n'yo ces amas devant là, c'est un jeune moi là. Mais OK, maintenant soit vous allez au flex. Au chef d'état de gain non cas pareil. C'est consulter la mère. Moi-même, première mission que tu as sur dérivé, c'est général Aïan, oui. Commandant chef, la police. Reflex, et tout le monde spécialisé, tu as supposé paraître. Oui. À partir de ce moment, mais c'est président qui chef diplomatie. Alors, attention. Qui chef l'armée. Alors, Pierre-Yves. C'est président qui chef l'armée, selon la Constitution. C'est le président qui est le chef, le commandant chef de l'armée. Un. Deuxièmement, c'est président. Ok, qui oublie le ton sur le plan diplomatique. Ouais. Il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fait 68. Non. Il fait 68. D'accord. Il a tweeté. Non. Esaïe. Le chef de l'État. Non. Esaïe. Le chef de l'État. Il passait des instructions à. Il y a une délégation quand même. À chef gouvernement démissionnaire et qui lui-même te doit monter. Une délégation d'autorité concernée. Nous regrettons infiniment que PM démissionnaire là parte ou est nécessité pour ministre de défense là de faire partie de délégation avec commandant AI force Amir. Mais le chef de l'État lui fait ça pour le fait. Kounia là contrairement à Pierre Rich, nous avons un problème ponctuel. Nos frères ont été lâchement assassinés. Nous avons bon frère nous qui prend balle, qui sous cabane l'hôpital. Les autorités haïtiennes, mis à part de couloirs diplomatiques, doit réunir en urgence. Faut gagner une réponse. Oui, mais qui réponse ou a parlé? Non, m'pas qu'à dire nan micro là. Mais il nous faut une réponse. À chaque passé là, c'est tout en la passé. La réponse doit être diplomatique. Dans un premier temps. Ça c'est première démarche. Là. Dans un premier temps. Mais à part député Gantier. Faut faire la fait que là, il dit ou que Dominique a rentré dans la commune. Faut faire ça. C'est World Police frontalière là qui déploie sous frontière. Parce que pas oublier, nous avons 81 km linéaire frontalière. Maintenant, lorsque toute frontière ça, ou supposé sécuriser. Maintenant, police frontalière là qui l'a, faut gagner dans main li. Donc a dit matériel adéquat pour faire travail ça. Oui mais connais compagnie qui a touché 1.8 milliard de dollars. Maintenant là OK, sous que sous faut là côté yo. Qui formation ba sous pays là? Ça c'est pas sérieux. OK. Oh, compagnie là dans pays d'Haïti là. OK, qui vient contact avec gouvernement haïtien. Tu confirmes 1.8 milliard de dollars. Ouais. OK. On fait misérienne cap sous les frontières. Ça règle dans pays là. Tu as fait qui ça? Tu vas rapport sous que sous frontières. Qui côté rapport ba sous pays là? Maintenant qu'il y a question dès que l'armée a libre mobilisé, libre fonctionnel. Maintenant, toute question selon la Constitution, libre revenu aux forces armées d'Haïti pour sécuriser frontières. C'est pas un haïtien, non. Louko, c'est pas un haïtien qui gouma avec un dominicain, non. C'est l'armée dominicaine qui rentre avec chat de guerre. C'est invasion. Son invasion. Dominicain est attaqué à Haïti. Oui, mais c'est ça, Mabdou. Le ou gagne un cas d'agression, un cas d'invasion comme ça. Maintenant, c'est institution nous qui place. Autorité haïtienne doit saisir. Autorité haïtienne doit saisir automatiquement. L'OEA. L'OEA et l'ONU. Non, nous pouvons là. Non, nous pouvons là. Maintenant, moi, quoi que. Pourquoi la mec en va deux ministres affaires étrangères, deux ministres affaires étrangères, ils besoin d'aborder la question. C'est si il y a un échec, pas qu'à gagner. Non, pour parler. C'est à partir de ce moment où on va le saisir. L'OEA, on va le saisir. On va déjà connaître. Comme si vous ne déjà pas connaître. Qui autant de fois nous vivons échec ça,
déjà pour parler de chancelier et dominicain et haïtien. Alors, les Lérissons, ou déjà là, ou au pouvoir, ou c'est PHTK, ça veut dire fuck ou Wachita, pour résoudre question. Ça, c'est l'autre bagaille, non, 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 et pas l'autre bagaille. Que ou de, et pas l'autre bagaille. Ça fait pays qui n'a pas là. C'est parti ou qui au pouvoir. Ça fait pays n'a pas là. C'est Haïti qui au pouvoir. C'est PHTK qui au pouvoir. Que ou t'es dans l'opposition. Pour résoudre question. Que ou t'es dans l'opposition. Pour laisser des matchs là. Absolument. Que ou t'es dans l'opposition. Que ou t'es dans le pouvoir. Ça a concerné. C'est Haïti qui a attaqué. Non, non, non. Même là, c'est Haïti qui a attaqué. Bah, on va faire fait. Mes amis. Parce que faut que tu vas mettre les charrues avant les bœufs. Absolument. Parce que, pas oublier, il y a les couloirs diplomatiques. Maintenant, si nous pas aller, Jean va aller sur le plan diplomatique, nous avons fait échec à tête nous. Oui. Parce que l'ONU, Haïti lui-même, les signataires des chartes de convention de Vienne. Ouais. Maintenant, je dis à la, il y a une agression qui est faite sous pays. Maintenant, il faut que le couloir diplomatique est épuisé. Oui, exactement. Et, immédiatement qu'il a fini, tant que ça a été fait. Entre l'Irak avec, on se rappelle, Iran. Non, Irak avec qui t'a envahi, Koweït, couloir diplomatique, yo, yo t'es épuisé, yo. Là, on finit épuisé, yo. Maintenant, l'Irak attaqué. Maintenant, l'ONU va en force pour cabiner l'Irak. Nous rappelons-nous bien. Ouais. Donc, ça veut dire que, je dis à là, nous pas qu'à en écrêter comme ça, pour en écrêter à vous et monter, et que. Oui, mais Zahir, nous avons fait. Non, je suis d'accord, pas vous et monter. Non, je comprends. Zahir, oui. Nous n'avons pas les Français là, tout, non? Non, mais. Nous n'avons pas les Français. Les autorités haïtiennes doivent saisir automatiquement l'ONU et l'OEA. Alors, bon, me bon, font un petit point dans ça là. Moi, je pense que. Tel monde au pouvoir. C'est au niveau diplomatique. Maintenant, c'est au niveau diplomatique. Maintenant, qui style de diplomatie? Je ne pas diplomatie. Écoutez. Même vis-à-vis. C'est diplomatique. Maintenant, sous pas de monde qui a personnalité diplomatiquement, qui faut diplomatiquement, qui pour bailler l'ONU pression pour avancer d'une façon rapide, décider d'une façon rapide, pour sauver, parce que c'est eux-mêmes qui gagnent, dès que vous pas de là, mais c'est eux-mêmes qui gagnent responsabilité, ça, eh ben, ou pas qu'à marcher. Les trois pouvoirs doivent se réunir, l'exécutif, le parlement, le judiciaire, pour une réponse appropriée diplomatiquement. En accord avec les partis politiques. Moi, je pense que. Il y a des députés appel des collines qui t'avaient fait. Moi, je pense que, je dis, hein. Et on est dans le gouvernement Jean-Baptiste Aristide. Ok? Ancien président Abel des collines. Ok, dans une situation pareille, qui en a gardé des figures dans la glace. Ok? Qui en a gardé des figures dans la glace? Qui t'écrase la mer? Qui t'écrase la mer? Ok? Je dis, on est dans le gouvernement Aristide. En complicité avec un ancien général de l'armée. Nous avons gardé des figures dans la glace lui-même. Ok, là, c'est président. C'est pas craser l'armée. Nous avons débat sur ça. Moun qui moute la mer, il y a un problème avec la mer parce que la mer n'a pas accepté l'ordre encore. En aucun cas. Les blancs qui mettent la mer, il met la mer, l'ordre, la mer n'a pas accepté la mer, il n'a pas travaillé dans la propre ambition. Moi-même, c'est information. Mais pour blanc, qu'est-ce que vous avez dit? Bon, mais monsieur Bamdino, il revient aux Haïtiens. La mer n'a pas dit me craser. La mer n'a pas dit me craser. Légalement, il va me craser. Légalement, il va me craser. Député Abel de Colline, donc, qui souligne que mes points. Député, comment nous est? Allô? Ok, regardez sous 57, le téléphone n'est pas bon, pas Isaïe, pas bon. Ok? Bon, pas bon, frère. Bon, pas bon, frère, c'est menti. Isaïe, a besoin de téléphone. Député, appel de Gaulle, malgré nous sous 44, 57. Oui, bon, monsieur, il est rapidement. Et nous allons fermer le dossier, ça, madame, monsieur. Déplacer là. Oui, ou bien l'amour? Et oui, il faut avoir viré rapidement. Oui, député Abel de Colline, relais sur 44, 57 là. Oui, je vais passer le tout moi-même. Et pour moi, si je suis capable de faire ça. Alors, un petit message rapide. Je vais annoncer tout le monde Saint-Louis du Nord. Il y a bien un matin débat le 25. Son matin débat spécial, c'est samedi. Invité spécial matin débat, ça, c'est Maître Arthur. Qui date? Calix, 25, samedi 25. Ah, nous allons le mi-balai encore. Le 24, nous allons le mi-balai. Le 24, nous allons le mi-balai. Il dit, sauter le mi-balai, c'est aller dans le nord. Aller Saint-Louis du Nord. Alors, téléphone député Abel de Colline. Et oui, député Abel de Colline. Et téléphone absent, oui, député. Et...
lui-même qui t'a souhaité et placer un mot. Donc, non, et débat que nous avons fait là, sur question, et ça qui passe bien là-dedans, madame, monsieur. Et puis, nous allons finir rapidement pour nous capables de garder l'autre point, donc, qui pratiquement est sous table là. Jeudi, lundi 20 août 2019, donc, dans émission et matin débat. Bon, on ne sait pas. On a fini ça parce que c'est mon message. Oui. Bon, c'est moi pour remercier vous. Et il faut passer plus souvent. Bon, naturellement, moi, quoi que haïtien qui est dans la diaspora, yo content qu'on y a parce que yo dit bon m'vin dans matin débat parce que yo t'ai pensé que m'pa t'ap vini dans matin débat alors parce que de récemment yo t'ai tendo font intervention alors en 2015 oui yo t'ai dit que yo besoin pour m'vini pour ouais si c'est vrai le moi t'ai ministre et puis t'ai gon problème qui t'ai passé avec yon nan ta ka di dans cadre ministère qui t'ai gen problème avec immigration américaine et suite à problème ça qui t'ai résout bien vite et puis yo ouais que malheureusement m'ta ka di événement ça yo te fait me quitter ministère là alors m'te besoin di pour tout monde nan matin débat pas de gen ni question drogue pas de gen ni question passeport c'était concerné ya te gon problème nan immigration américaine il te résout problème nan maintenant li retourner la kayli et m'kwè li maire nan commune la kayli mais étant donné que l'op fait politique en Haïti politique là c'est li gen toute m'ta ka di monter et descendre là dans l'île nous même nous t'ai fait travail nous Jean pour nous t'ai fait très bien dans ministère haïtien vivant à l'étranger et là je dis à mon quoi m'a tant de charges là dans mes parlements alors faut me dire président Lambert m'aller dans la cour des comptes moins vérifier dans cour supérieure des comptes du contentieux administratif problème de charges moi en pas là yo voyer aller dans parlement et c'est depuis sous présidence Andris Richer là aller avait dit que président Youri passé m'pa gain des charges là commission bicamérale là pas ban moi président Lambert te dit pendant présidence il a baillé tout ministre qui méritait des charges là bas ou des charges jodi a me penser dans matin débat moi dit lui pour kembe parole li et moi crois que yo pas doit continuer à violer droit comme citoyen haïtien mal dans élection même première fois en 2010 yo mettait me dehors sous prétexte que moi gain double citoyenneté et c'est pas vrai moi te gain passeport moi passeport diplomatique moi non mais moi en 2015 yo mettait me dehors le sort candidat tout yo dit me pas gain des charges. Bon, naturellement, tout a fait une blague avec ça. Je me dis, mes amis, bon, ça veut dire que, je dis, tout haïtien connaît au lycée Pierre Rich, pas de problème de charge. C'est parlement, captain, ou pas moins de charge. Regardez, ministre Cap, où fait que tu es ministre ou bien des charges? Oh, t'as l'air. Même tout bagaille, Gérald Matuné, mourir! Sans des charges. Sans des charges. Non. Pas grave, oui, Zamim. Mais monsieur, bon, dis-nous, bagaille. Matin débat. Non, faut résoudre le problème. Matin débat, pour écoute que le gagnant, sur le plan national et international, pas capable de tolérer des députés et des sénateurs à continuer à violer les droits citoyens. C'est comme si, dès que vous choisissez pour venir servir pays où, monsieur, tout enterré. Et surtout, si vous connaissez, ou un avis politique. Ou un avis politique. Ça veut dire que moi-même, quoi. Pays a besoin renouveler personnel pour le politique et matin débat merci pour le travail ça que nous avons fait et tant qu'on dit monsieur Désir n'a toujours là très souvent avec vous m'espérer si dans prochaine élection yo ou candidat ou bien map candidat même pas contre map candidat non nous candidat pour la vie OK nous candidat pour la vie nous candidat pour le ciel nous conseil candidat peuple là parce que c'est tout en la défense du peuple là. Bon mon cher faut qu'on dit où les jeux d'affaires j'ai ça tout mais a changé le chef là. Bon faut qu'on dit où j'ai ça chef là pendant chita de bon président dans moi chef là m'a pas menti pendant chita pas passer là avec Dominique Ani baba mon frère pas gagne pas comme ça dans pays regardez pendant chita de matin comment il se m'a rendre compte pas connait qui me voter c'est moi pour dire où qui mais le jour d'après ça parler les jours il doit prendre décision ça mon frère pas menti donc Haïti a une grosse chance dans la ville et ben pas de problème non laisse ça mettre au premier ministre et puis n'a pas géré pays on va pas quitter me passer.